C'est la confirmation par les électrices et les électeurs que je remercie d'avoir placé leur confiance dans ma candidature. C'est la confirmation du vote qu'ils ont fait le 23 avril dernier en portant Emmanuel Macron en tête dans cette circonscription, largement en tête dans cette circonscription. C'est une vague de fond. Et c'est le signe d'une très grande volonté de renouvellement et de changement. Et ça, nous l'avons ressenti avec l'équipe, avec mon suppléant Stanislas Renier, lorsque nous allions sur les marchés, que l'on rencontrait des électeurs, des électrices et peut-être les nôtres. Ils souhaitent ce renouvellement des hommes, femmes politiques et des pratiques politiques. Ils souhaitent aussi que l'on puisse avancer et voter les réformes qu'Emmanuel Macron a annoncées. Ils ont compris la cohérence qu'il y avait à donner une majorité parlementaire au président de la République.